chemin de la vie. Venez au Seigneur, il vous soulagera. Alléluia, 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 alléluia. Vous tous qui ployez sous le poids du péché, venez au Seigneur, il vous pardonnera. Alléluia, 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 alléluia. Vous tous qui craignez de céder à la peur, venez au Seigneur, il vous fortifiera. Alléluia, 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 alléluia. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour participer à cette célébration dominicale diffusée pour notre unité pastorale de Mons et qui rejoint aussi bien d'autres personnes également bienvenues. Même si ce n'est pas toujours facile quand on est devant un écran, vous êtes nombreux à vouloir vivre chaque dimanche un temps de ressourcement spirituel. Je vous invite à vous laisser toucher par l'attention que le Seigneur porte à chacun de nous. Qui que nous soyons, il écoute notre prière et nous accueille avec une infinie miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
assise à la droite du Père. Prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu connais les peines et les souffrances de nos vies. En Jésus, tu es venu partager notre condition humaine jusqu'à la mort sur la croix. Que ton esprit de force et d'espérance nous habite, toi qui nous sauves, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur. Sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les uns et rabaisse jusqu'à la terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Il s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. Je suis envahi de cauchemars. » Elles sont rudes, ces paroles de Job. Elles expriment le ressenti d'un homme juste, marqué par l'épreuve. Il ne comprend rien au poids de la souffrance qui l'accable. Job n'est pas le seul à penser ainsi.
Elles ne sont pas rares les personnes qui ressentent des choses semblables devant la dureté de la vie qui finit par la rendre insupportable. Observons d'abord que les paroles de Job s'adressent à Dieu. On peut tout dire à Dieu, dire ce que nous ne comprenons pas dans ce qui nous arrive, dire à Dieu ce qui nous pèse, dire à Dieu que nous avons parfois l'impression qu'il est bien loin de nous. Comme Job, nous pouvons éprouver du découragement, de l'incompréhension, quand nous voyons la vie nous filer entre les mains, alors que la souffrance devient trop lourde à porter. Il peut nous arriver de nous sentir bien démunis quand nous nous retrouvons livrés à notre seule fragilité, sans perspective de nous en sortir. Et c'est ainsi que Job en arrive à dire « Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus à l'œuvre face à la détresse humaine. Saint Marc nous donne à voir de quoi était faite une journée de Jésus. Il était bien occupé du matin au soir. On le voit guérir des malades, rencontrer des personnes en souffrance ou habitées par des esprits mauvais. Jésus est toujours à l'œuvre. Il bouge, il circule, il va d'un endroit à un autre. Et puis, au petit matin, il se retire bien avant l'aube pour aller dans un endroit désert où il prie. La prière de Jésus est le temps où il se ressource. Il refait ses forces pour aller au-devant de tous, afin d'annoncer en parole et en acte le royaume de Dieu qui vient. Pour nous aussi, la prière n'est pas un chemin pour fuir les difficultés de la vie et nous réfugier loin de tout ce qui nous accable. Prendre le temps de prier, c'est refaire nos forces auprès de Dieu qui veille sur nous et prend à cœur tout ce que nous devons porter au fil de nos journées. L'Évangile le montre à longueur de page. Jésus est celui qui est toujours présent. Il est celui qui s'approche, qui réconforte, qui guérit et qui fait que les gens sont apaisés. Jésus n'agit pas à la manière d'un magicien, il accueille, il compatit. Il se tourne vers chacun sans distinction de personne. Il écoute, prend la main et libère. Jésus fait cela non seulement parce qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il veut se donner à connaître comme notre frère. Jésus veut être proche de l'humanité tout entière, surtout quand elle est accablée par la souffrance et le malheur. C'est pour cela que Jésus est sorti de chez son Père et qu'il est venu dans le monde. C'est pour cela qu'il est toujours en chemin sur les routes humaines de chacune de nos histoires. Jésus est toujours en mouvement. Il n'a jamais fini d'agir. Son activité est riche de sens. Il veut nous dire par là « Je suis venu pour être proche de chacun de vous, surtout si vous êtes dans la détresse. Je suis sorti pour venir à votre rencontre, en passant partout sur vos chemins, afin d'y apporter la bonne nouvelle du salut. » Et Jésus compte aussi sur ses disciples pour porter avec lui cette bonne nouvelle de Dieu qui prend à cœur le sort de l'humanité. Nous voilà donc appelés à prendre part à la mission de Jésus. Alors là, nous sommes plutôt un peu réservés. Il faut bien reconnaître que cela ne nous est pas tellement spontané de proclamer partout l'Évangile. Nous sommes souvent discrets, mais c'est la mission de l'Église et donc de chacun de nous de témoigner de ce que nous ne sommes pas seuls dans nos combats pour vivre et tenir bon dans les épreuves. Dieu n'est jamais loin de nous, même si nous en avons parfois l'impression.
nous avons du prix à ses yeux. Jésus est comme le bon berger qui prend sur ses épaules la brebis affaiblie. Jésus vient se faire le bon samaritain de tous les blessés abandonnés au bord de la route. La révélation de cet amour de Dieu attentionné pour chacun est au cœur de l'Évangile et il nous revient d'en être les témoins. Il faut pour cela bouger avec Jésus, comme lui, et à sa suite, il nous faut sortir pour ouvrir des chemins de solidarité et de fraternité. Saint Paul avait bien compris cette urgence d'annoncer l'Évangile. Il le dit sans détour. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement une option, une opportunité, c'est le cœur de la mission chrétienne qui est là en jeu. Et saint Paul va jusqu'à dire « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Quand on a découvert l'horizon inespéré que Jésus ouvre devant nous, nous ne pouvons pas nous taire. Il faut témoigner de notre foi. Il faut rendre compte de l'espérance inouïe que Jésus nous apporte. Voyez-vous, la foi ne nous fait pas vivre une autre vie, mais elle nous fait vivre autrement la vie de tous les jours. Les combats de la vie ne nous sont pas épargnés parce que nous croyons en Dieu. Mais nous les menons en sachant que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Il nous porte dans son cœur et il porte lui-même les croix qui pèsent sur nos épaules. Alors demandons au Seigneur de nous donner de grandir dans la confiance en son amour qui jamais ne nous abandonne. Qu'il nous fasse la grâce de nous sentir soutenus par la prière et qu'il nous inspire pour être, à notre mesure, proches de ceux qui luttent et qui peinent sur le chemin de la vie. En nous appuyant les uns sur les autres, maintenant proclamons tous ensemble notre foi qui est celle de toute l'Église de toujours et de partout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chaque vie humaine a son poids de soucis et d'épreuves. Le Seigneur n'y est pas indifférent. Tournons-nous vers lui avec confiance. Prions pour ceux qui peinent sous le poids de la souffrance, pour ceux qui n'osent plus espérer, pour ceux qui vivent dans l'angoisse. Seigneur, porte-les dans ton amour. Prions pour les malades et les handicapés. Prions aussi pour ceux qui les soignent et les soutiennent. Seigneur, porte-les dans ton amour. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes exilées, loin de leur pays. Prions aussi pour tous ceux qui se préoccupent de bien les accueillir. Seigneur, porte-les dans ton amour. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour que nous gardions les yeux et le cœur ouverts à toute détresse. Et pour que nous soyons toujours prêts à poser des actes de solidarité. Seigneur, porte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui allais de village en village proclamer la bonne nouvelle du salut, viens à notre rencontre et sois notre force sur le chemin de la vie, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, avec le pain et le vin pour l'Eucharistie, nous t'offrons tout ce que nous sommes et tout ce qui fait notre vie que nous avons reçu de toi. Accepte notre offrande qui s'unit à celle de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Nous t'en prions par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Tu es fidèle à tes promesses, toujours tu prends à cœur ce que nous vivons. Tu nous as envoyé ton Fils venu partager notre condition humaine. Il a rendu témoignage à la vérité et il est passé partout en faisant le bien et en chassant les esprits mauvais. Aujourd'hui, avec tous ceux et celles qu'il a guéris, et avec les saints qui, à sa suite, se sont faits serviteurs de tous et ont annoncé l'Évangile, nous voulons proclamer ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence et pour prendre notre part dans l'annonce de l'Évangile. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Vaudru et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a ouvert le chemin de la prière. Avec lui, ressourçons-nous dans la force qui vient de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de toute misère, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ceux et celles que tu appelles à être ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qui vient de toi et garde tous tes disciples unis autour de toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. » Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient porter le poids de nos misères. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu proclamer la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes et pour ta parole que nous accueillons comme la lumière qui guide nos pas et nous garde dans la confiance. Nous te prions encore. Apprends-nous à être attentif à la souffrance des autres et à trouver des gestes et des mots qui guérissent. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen. Jeudi de cette semaine, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, ce sera la journée mondiale des malades. Nous ne manquerons pas de penser aux malades, particulièrement aux personnes malades qui regardent cette messe filmée. Nous pensons à tous ceux et celles qui souffrent, nous les porterons dans notre prière et nous demanderons au Seigneur de nous inspirer pour que nous puissions toujours leur manifester notre fraternelle attention. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu qui nous aime avec tendresse et qui veut notre bonheur vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.